Quartier Rucois. Le 1er et 3e régiment de lanciers vous invite à la remise de flammes à l'escadron Charlie. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que le régiment qui est installé à Marche-en-Famenne et qui compte environ 400 soldats va décentraliser un escadron, une bonne centaine de militaires, ici à Tournai. Dans ce cadre, nous cherchons une centaine de militaires. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le www.1000.be et vous trouvez toutes les informations. À bientôt.
nous proposons une petite présentation rapide historique et également une petite visite des locaux du quartier Iroquois. Bienvenue à l'escadron C du 1er et 3e lancier au sein du quartier Général Baron Rucois situé à Tournai. Veuillez me suivre pour une visite des installations. Au sein du quartier, nous sommes colocalisés avec le centre de formation logistique et nous bénéficions de leur structure HoReCa. Au niveau mobilité, nous sommes très bien desservis. Pour rejoindre le quartier via la gare, il est possible de s'inscrire pour une navette militaire. De la remise de la flamme de l'escadron C dans le cadre de la nouvelle répartition géographique des unités de combat. Musique, garde à vous! La mise en place de l'escadron s'effectue sous le commandement de l'adjudant-major Francis Arnoul, adjudant de corps. Il est accompagné du brigadier de corps, le premier brigadier-chef Eddie Vandenberg. L'adjudant de corps va présenter l'escadron au lieutenant-colonel breveté d'état-major Olivier Dourte, qui mettra les officiers en place. Nous allons maintenant vous présenter deux interviews de militaires qui viennent juste d'arriver ici à Tournai. Je suis satisfait de pouvoir participer à la création du nouvel escadron, car il y a des gens de un peu partout qui vont arriver, des gens de SPA, des gens des chasseurs ardennais de marchands femelles également des jeunes lanciers qui viennent de terminer leur formation. Donc toutes ces petites expériences personnelles que les gens ont pu avoir dans leur unité, la ramènent ici. Et la création d'un escadron, c'est quelque chose de très rare, en tout cas pour nous jeunes. Donc c'est faire partie de cette expérience, c'est quelque chose qui m'attirait pour venir ici. La compagnie est un nouveau défi et ça nous permet, nous en tant que caporaux, de pouvoir apporter notre expérience au niveau de la jeunesse.
Nous participons dès aujourd'hui à l'aide à la nation. Donc, nous déployons 10 militaires dans les hôpitaux région du Hainaut. Au courant du mois de juin, nous partirons à Boletice en Tchéquie pour un exercice de 15 jours. Et au mois d'août-septembre, nous irons à Bruxelles en OVG pour normalement le clôturer. Notre mission d'aide à la nation consiste à décharger un maximum le personnel de prison, tout ce qui est vaccination, etc., en prenant tout ce qui est tâches secondaires à notre charge. Comme ça, ils peuvent s'en débarrasser et ça leur laisse plus de temps pour se consacrer à leur métier essentiel. Le chef de corps va accueillir le général-major Pierre Gérard, commandant de la composantaire, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Le chef de corps va accueillir Madame Ludivine de Donde, ministre de la Défense, qui nous fait l'honneur de présider la cérémonie. Le lieutenant-colonel breveté d'état-major, Olivier Dourte, chef de corps du 1er et 3e bataillon de Lanciers, va vous adresser quelques mots. Madame la ministre, mon général, monsieur le gouverneur de province, monsieur le bourgmestre, colonel, messieurs les chefs de corps, RSM et brigadier de corps. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence, qui marque votre intérêt pour le projet de dispersion régionale et plus spécifiquement pour notre bataillon. L'installation d'un escadron du 1-3L dans la garnison de Tournai
est le signe concret d'un projet qui aboutit et de l'intérêt porté au bien-être de nos militaires. Le 5 octobre 1820, le 5e régiment de dragons légers, levé 6 ans plus tôt par le comte Van der Burch, recevait son étendard ici même à Tournai. 200 ans plus tard, nous voici réunis au sein du quartier général-major Baron Rucquois pour la reconnaissance officielle de l'escadron C. Ainsi, l'histoire qui s'écrit maintenant sous nos yeux nous ramène aux origines de notre bataillon et à son fondateur, le comte Van der Burch. Par ailleurs, un lancier aussi du 3L trône fièrement déjà au musée de la ville, signe d'un passage du 3e lancier dans cette garnison. Je citerai le général Bosset, ancien chef d'état-major de l'armée de terre française, qui disait ceci: si l'agarrissement force le mental du soldat, la haute technologie en démultiplie les sens et les capacités, c'est en participant à l'existence d'une collectivité qui conserve les gloires de son passé que le soldat trouve un sens à son action. Nous réinstaller à Tournai est une chance pour le 1-3L et nous ramène à nos origines de lancier. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier notre commandant de brigade, le colonel Cabot, qui a placé sa confiance en notre bataillon pour mener à bien ce volet du projet de dispersion régionale. Merci mon colonel. Je voudrais aussi remercier le centre de formation logistique, son chef de corps, et le commandant de la province du Hainaut pour l'appui reçu jusqu'à présent dans cette mise en place. Créer un nouvel escadron n'est pas une mince affaire et vous nous y aidez au jour le jour. Je suis certain que le temps nous permettra de trouver de nouvelles synergies et que tous auront à cœur de trouver des solutions aux petits problèmes quotidiens qui émailleront les débuts de la vie de l'escadron. Permettez-moi maintenant d'adresser quelques mots au personnel de l'escadron. Lancier, votre escadron devient officiellement aujourd'hui le premier élément de combat de la force terrestre en province du Hainaut. À tous ceux qui nous ont rejoints d'unités extérieures, je veux profiter de cette occasion pour leur souhaiter la bienvenue au sein du 1-3L. Vos carrières respectives, vos expériences, vos connaissances sont un plus pour nous. Et je me réjouis déjà de vous voir les mettre au service du bataillon. La présence des différentes autorités à cette cérémonie, malgré les circonstances sanitaires, est une marque de l'importance accordée au futur de votre escadron. Soyons donc motivés et confiants dans l'avenir. Vos premiers objectifs sont les suivants. Tout d'abord, créer une cohésion interne, intégrée dans l'identité du bataillon. Cette cohésion, je ne parle pas ici simplement d'activité de détente, permet de faire des choses complexes de manière efficace. Cette cohésion, cette confiance, c'est se connaître mutuellement, se faire confiance, et cela permet une action tactique décentralisée, avec moins d'échanges d'informations. Autrement dit, une action tactique plus efficace et plus rapide. Votre premier objectif, à tous, ce sera donc de créer et d'entretenir cette cohésion au sein de l'escadron. Ensuite, vous assurez dès le mois de septembre la mission OVG, premier rendez-vous opérationnel pour votre escadron. Vous serez d'ailleurs peut-être les derniers, ou à tout le moins parmi les derniers, à assurer cette mission au profit de nos concitoyens. Si assurer la sécurité interne n'est pas la tâche première du militaire, cette mission OVG aura permis de revivifier le lien armée-nation et vous aurez à cœur d'être prêt et de mener cette mission à bien. Nous sommes là pour servir nos concitoyens, c'est notre raison d'être. Enfin, et non des moindres, il vous faudra continuer la montée en puissance de l'escadron pour atteindre le standard opérationnel de niveau 1 avec le premier peloton sur AIV d'ici la fin de l'année. De cette manière, si cela s'avère nécessaire, vous pourrez, en tant qu'escadron constitué ou en tant que peloton, être intégré au planning opérationnel du bataillon en 2022. Je vous fais confiance pour mener à bien ces différents objectifs
comme vous l'avez déjà montré en améliorant votre nouvel environnement de travail. Florian, je vais maintenant te remettre la flamme de l'escadron, symbole de ta subunité. J'ai, et tu le sais, totale confiance en toi. Je suis convaincu que ton personnel n'aurait pas pu avoir meilleur chef pour débuter. Profite bien de ce moment et prends soin de ton personnel. Le chef de corps va remettre la flamme, symbole de commandement de l'escadron, au lieutenant Florian Tola, qui reprend le commandement de l'escadron C. Lieutenant Tola, à moi. Le fanion est remis au porte-fanion, le premier brigadier-chef, Serge Dobchy. Celui-ci est également le doyen des volontaires. Il est choisi pour sa loyauté et intégrité, mais aussi pour sa grande expérience au sein de la défense. Un retour aux sources pour l'intéresser dans un escadron en tradition de cavalerie, car au début de sa carrière, il exerçait au 3e lancier parachutiste. Le doyen des volontaires est le garant des us et coutumes de l'escadron et participe activement à l'intégration des jeunes volontaires. Il est aussi un lien privilégié entre le commandement et la catégorie des volontaires. Ayant la confiance du commandement, nous lui souhaitons bonne chance dans l'exercice de cette fonction. En place. Le lieutenant-colonel breveté d'état-major, Olivier Dourte, chef de corps du 1er 3e bataillon de lanciers, invite Madame Ludivine de Donde, ministre de la Défense, qui va vous adresser quelques mots. Je vous remercie pour votre présence dans la caserne générale Baron Rucoing, qui témoigne de votre intérêt pour la défense, la ville de Tournai, mais surtout des liens qui unissent ces deux entités. Des liens qui, je l'espère, seront encore renforcés avec l'arrivée de cette unité militaire supplémentaire. Aux militaires de l'escadron C, je suis heureuse de revoir les bérets noirs des lanciers et qui plus est, dans ma ville natale. En effet, j'ai déjà pu rencontrer quelques-uns de vos collègues lors de ma visite de la composante terre à Marchand-Famène.
Désormais, le bataillon des lanciers aura la particularité de pouvoir rayonner sur tout le territoire grâce à ce double emplacement. Sachez en profiter pour donner à la Défense l'image qu'elle mérite. Une organisation au cœur de la nation et au service des intérêts de sa population partout où c'est nécessaire. Vous connaissez tous les objectifs de recrutement que j'ai fixés pour le département durant cette législature. 10 000 embauches de militaires, 2 500 par an jusqu'en 2024. Ces objectifs sont primordiaux pour que la Défense puisse poursuivre l'accomplissement de ses missions dans les meilleures conditions. Les bases d'un escadron recréé et stationné à Tournai donnent corps à cette politique de recrutement. Actuellement composé de 42 personnes, l'escadron devra atteindre les 130 militaires au maximum de sa capacité organique. Donner l'opportunité au personnel de travailler à proximité de son domicile grâce à du recrutement local n'est pas incompatible avec les missions de la Défense et au contraire renforce l'attractivité du département et maintient le lien défense-nation, une relation primordiale s'il en est. Avec cette recréation à Tournai de l'escadron C du bataillon des lanciers, mais aussi avec l'arrivée d'une compagnie du 3e bataillon parachutiste dans la commune de Gavre, ainsi qu'une compagnie du bataillon 1er carabinier 1er grenadier à Lombardseil, il s'agit de la réalisation d'un des objectifs de ma politique générale visant une répartition géographique plus homogène pour le département, mais aussi de l'amélioration de l'équilibre entre la vie privée et professionnelle pour le personnel. Gageons que cet aménagement géographique des lieux de travail, ce recrutement important et la revalorisation du métier de militaire participe à une défense plus attractive et en connexion avec la population belge. Je vous remercie. Musique, j'en vous. Merci de nous avoir suivis par cette belle après-midi. Restez encore un petit instant avec nous. Nous avons de superbes images à vous montrer. Je vous présente le personnel du 1er et 3e lancier en action.